ITFM a eu le plaisir d'interviewer Gabriel Grefioz, ostéopathe, qui nous conseille sur la reprise du sport sans se faire mal aux articulations. Yaorana, aujourd'hui je vais m'adresser aux personnes en surpoids qui voudraient se mettre à faire de l'exercice, commencer à faire du sport pour ne pas se faire mal aux articulations. Ce qui est bien, c'est de démarrer de façon progressive, pas se mettre du jour au lendemain à faire du footing par exemple. Ce que je vais vous recommander, c'est commencer par de la marche, d'abord à plat. Il ne faut pas que ça devienne trop désagréable pour pas qu'on ait envie d'abandonner trop vite. Donc à plat, ensuite on va prendre des côtes. Quand on commence à se sentir un peu plus à l'aise, on peut pousser un peu plus le rythme. Ensuite, la deuxième chose, ça va être, si vous aimez l'eau, d'aller marcher dans l'eau, courir dans l'eau. Là, c'est l'idéal parce que l'eau va masser en plus la circulation de l'eau contre la jambe. Donc, soit au-dessus du genou et un peu en dessous le bassin, la hauteur. À partir de trop haut, ça va moins donner de résistance contre le corps. Après tous ces conseils, s'il y a toujours des petites douleurs qui traînent, des points particuliers qui restent douloureux pendant l'effort ou après, n'hésitez pas à contacter votre ostéopathe. On est là pour vous aider, pour rééquilibrer tout ça. Nana, prenez soin de vous.